Alors laissez-moi deviner, vous avez créé votre blog plein d'enthousiasme et vous avez publié vos premiers articles. Après avoir beaucoup travaillé, vous vous attendez légitimement à ce que ton Google vous envoie un torrent de visiteurs. Mais rien ne se passe, le néant. Après plusieurs semaines ou mois de travail, vous actualisez frénétiquement votre compte Google Analytics. Résultat, zéro visiteur. Vous envisagez alors d'acheter des backlinks ou pire, d'abandonner. Non les gars, arrêtez ça tout de suite dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point comment vous pouvez attirer des milliers de visiteurs sur votre blog grâce à Google et ce gratuitement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maxime Bizot, je suis un ancien avocat d'affaires reconverti entrepreneur sur internet et aujourd'hui je gagne ma vie avec un blog pour les étudiants en droit. Dans cette vidéo, je vais vous partager les stratégies qui m'ont permis d'attirer pas loin de 1 million de visiteurs sur mon blog pour les étudiants et ce sans dépenser 1 euro. Et aujourd'hui, ces mêmes stratégies me permettent d'attirer environ 2500 visiteurs par jour sur mon blog. Cette vidéo, c'est une formation gratuite où on va aller assez en profondeur. Donc voilà, installez-vous confortablement, euh, prenez un thé, prenez un café, prenez ce que vous voulez. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, avant de vous expliquer... Comment vous pouvez euh, référencer votre blog sur Google je dois vous rappeler rapidement quelles sont les bases du référencement naturel, qu'on appelle également SEO en anglais. Le référencement naturel consiste à construire et optimiser son site afin qu'il se positionne dans les résultats de recherche sur Google. Il faut distinguer le référencement naturel du référencement payant, qui consiste à payer tout simplement pour que son site apparaisse tout en haut des résultats de recherche. Les résultats qui sont affichés grâce au référencement payant sont facilement reconnaissables puisqu'ils comportent le terme annonce. Ici par exemple, un site à payer pour apparaître en premier sur la requête Acheter appartement. En revanche, juste en dessous de l'annonce, le site sologer.com est positionné grâce au référencement naturel. Il n'a pas déboursé un euro pour être référencé sur cette requête. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des utilisateurs cliquent sur les résultats naturels plutôt que sur les résultats payants. En fait, les résultats naturels obtiennent en moyenne 94% des clics contre seulement 6% pour les résultats payants. En même temps, on peut imaginer que le annonce... Euh, en gras et en bien visible, ça ne met pas vraiment l'utilisateur en confiance. Et dans cette vidéo, on va justement voir ensemble comment référencer son site sur Google sans payer. Alors, il y a principalement trois critères qui sont pris en compte par Google pour le référencement naturel. Il y a d'abord le contenu, il y a ensuite ce que j'appelle les signaux d'autorité, j'y reviendrai par la suite, et il y a enfin l'expérience utilisateur. Commençons par le contenu. Pour être référencé sur Google, votre site doit avoir du contenu de qualité. En gros, vous devez écrire des articles de blog qualitatifs dont le but est de répondre à des mots clés qui sont tapés par les internautes. Si vos articles sont bons et qu'ils répondent bien aux questions des internautes, eh bien Google vous positionnera assez haut dans les résultats de recherche. Alors ensuite, comme deuxième critère, on a les signaux d'autorité avoir un contenu de qualité c'est la première étape pour attirer des visiteurs grâce à Google mais ce n'est pas tout pour que votre blog soit bien référencé il faut que Google vous considère comme une autorité dans votre domaine et il faut donc que d'autres sites parlent de vous. Pensez-y hein, si vous avez un site dont personne ne parle, Google n'a pas de raison de bien vous référencer tout simplement parce qu'il n'a pas de preuve que votre site est de qualité. à l'inverse lorsqu'un autre site parle de vous c'est un petit peu comme s'il votait pour dire que votre contenu était de qualité. Cela inclut les backlinks, c'est-à-dire les sites qui font des liens vers votre site, mais ça inclut également les mentions, c'est-à-dire les sites qui vous mentionnent sans forcément faire de lien. Et enfin, troisième critère pour le référencement, c'est l'expérience utilisateur. Pour déterminer votre classement dans les résultats de recherche, Google va tout simplement regarder si les gens cliquent sur vos liens, s'ils restent longtemps sur votre site, s'ils consultent plusieurs pages, etc., etc. Il va tout simplement regarder comment les gens interagissent avec votre site. Si les gens cliquent sur votre lien mais qu'ils restent 10 secondes sur votre article, puis qu'ils cliquent sur un autre résultat et qu'ils restent 15 minutes sur le site en question, bon bah, vous imaginez bien que vous n'envoyez pas un très bon signal à Google. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va voir comment, en 8 étapes, vous allez pouvoir attirer du trafic sur votre blog grâce à Google et ce, gratuitement. Alors, première étape pour attirer du trafic sur son blog, c'est de trouver des mots-clés qui sont peu compétitifs. Hein, vous devez d'abord comprendre une chose essentielle. Personne ne va sur la deuxième page de Google. D'après une étude de Backlinko, le taux de clic sur un des résultats de la deuxième page de Google n'est que de 0,1%. 78%. Dans le milieu du référencement naturel on a coutume de dire que le meilleur moyen de cacher un cadavre c'est sur la deuxième page de Google euh, et si on dit ça c'est pas pour rien ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous cherchez des mots clés pour vos articles de blog il est essentiel que vous puissiez vous positionner sur la première page pour ces mots clés et la principale raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à attirer beaucoup de trafic sur leur blog c'est parce qu'ils visent des mots clés qui sont beaucoup trop compétitifs des mots clés pour lesquels il est impossible de se positionner. En première page. Laissez-moi vous dire une chose. Google, c'est un petit peu comme un océan. Bon, dans cet océan, il y a des baleines. Hein. Les baleines, ce sont les énormes sites, comme par exemple Wikipédia ou encore Doctissimo. Il y a également des cachalots, ce sont les gros sites, comme par exemple Webmarketing.com dans la thématique du webmarketing. Il y a également des poissons, les poissons, ce sont en gros les sites de taille moyenne. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Vous, quand vous démarrez votre site, vous êtes un putain de phyloplancton. En gros, vous ne posez pas une cacahuète. Et je dis pas ça pour être méchant, c'est juste la réalité. Je m'explique. Plus un site est ancien, a un gros volume de trafic et a des liens d'autres sites qui pointent vers lui, plus il lui sera facile de se positionner dans les résultats de recherche. Toutes ces statistiques correspondent à ce qu'on appelle le Domain Authority ou encore euh, autorité de domaine en anglais. En gros, un site avec un domaine authority élevé sera plus facilement référencé sur Google. Si votre site est assez récent, il y a de fortes chances que votre domaine authority soit faible. Et si vous visez des mots-clés sur lesquels des sites avec un domaine authority élevé sont positionnés, bah c'est un petit peu comme si un phylloplancton se battait en duel avec une baleine. Vos chances de battre ces sites sont vraiment faibles. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez très facilement connaître votre domaine authority et celui de vos concurrents. Vous pouvez donc évaluer si un mot-clé que vous convoitez est prenable ou si, au contraire, c'est mission impossible. Pour ça, je vous conseille d'utiliser l'extension Chrome MozBar. Grâce à cette extension, vous aurez accès au domaine Authority de chaque site que vous visitez. Mais surtout, l'extension vous donnera le domaine Authority des sites positionnés directement dans les résultats de recherche sur Google. Par exemple, voilà à quoi euh, ça ressemble avec la requête acheter appartement. Vous le voyez, sologer.com. À par exemple un domaine authority de 80. Alors comment est-ce que vous devez interpréter ces chiffres Tout simplement, les sites avec un domaine authority supérieur à 50 sont des très 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 gros sites, ce sont, ce sont des baleines. Les sites avec un domaine authority compris entre 20 et 50 sont des gros sites, ce sont des cachalots. Les sites avec un domaine authority compris entre 10 et 20 sont des sites de taille moyenne, ce sont des poissons. Et les sites avec un domaine authority inférieur à 10 sont des tout petits sites. Ce sont des bon En tant que phytoplancton, vous devez essayer de combattre d'autres phytoplanctons ou à la rigueur des poissons, mais vous devez absolument éviter de vous frotter à des baleines. Reprenons l'exemple de la requête acheter appartement. Vous le voyez, les sites positionnés sur la première page de Google ont tous un domaine authority supérieur à 50. Autant vous dire qu'en tant que phytoplancton, vous avez peu de chances de les déloger. Pour éviter de vous faire écraser par la concurrence, vous devez viser des mots-clés pour lesquels il y a un ou plusieurs petits sites en première page de Google. Généralement, ces mots-clés sont assez spécifiques. Ce ne sont pas des mots à proprement parler, mais plutôt des suites de mots. Hein, souvent plus de quatre mots, on appelle ça la longue traîne. Rien de mieux qu'un exemple pour que vous compreniez bien l'idée. Restons dans la thématique de l'immobilier et regardons un petit peu ce qu'on peut faire. On l'a dit, la requête acheter appartement est beaucoup trop... Compétitive. Il faut donc trouver une requête plus spécifique, avec moins de concurrence. Pour ça, on peut utiliser plusieurs techniques. Première technique, Google Suggest. Si vous tapez une requête dans la barre de recherche Google mais que vous n'appuyez pas sur Entrée, Google vous suggérera les recherches similaires qui sont tapées par les internautes. Voici un exemple avec la requête Acheter un bien immobilier. Vous le voyez, Google me dit lui-même que les internautes recherchent également Acheter un bien immobilier sans apport acheter un bien immobilier en SCI ou encore acheter un bien immobilier à plusieurs. Ces requêtes sont plus spécifiques et donc potentiellement moins concurrentielles. Intéressons-nous à la requête acheter un bien immobilier à plusieurs. Si on tape cette requête dans Google, on voit ça, que des sites avec un domaine authority supérieur à 50. La compétition reste féroce. Il faut donc trouver une requête encore plus spécifique. Pour ça, on peut par exemple utiliser le tiret bas directement dans la barre de recherche Google comme ceci. Et là encore, Google nous suggère les requêtes similaires qui sont tapées par les internautes mais en remplaçant le tiret bas par des mots clés. Et ce sont des requêtes encore plus spécifiques que acheter un bien immobilier à plusieurs. On voit par exemple acheter un terrain à plusieurs. Et si on tape cette requête dans Google, on voit Et voilà. Bingo, un site avec un domaine authority de 7 a réussi à se positionner dans les premières positions sur cette requête. Ça signifie que vous aussi, même avec un tout petit site, vous avez de bonnes chances de bien vous positionner sur cette requête, à condition de faire un article de blog de qualité. C'est ce genre de mots-clés que vous devez viser si votre blog a un domaine autorité qui est faible. Et vous le voyez, hein, même dans une thématique soi-disant concurrentielle comme l'immobilier, il y a des failles. Google suggère c'est une technique très efficace pour trouver des mots-clés peu concurrentiels. Mais ce n'est pas la seule. Passons à la deuxième technique, les recherches associées. Les recherches associées dans Google sont également un bon moyen de trouver des mots-clés intéressants. Là encore, avec les recherches associées, Google vous livre sur un plateau les expressions similaires qui sont recherchées par les internautes. Pour trouver les recherches associées, rendez-vous tout en bas de la page après avoir tapé une requête dans Google. Voilà un exemple de ce que vous verrez. Et vous le voyez, bien là encore, on trouve des mots-clés intéressants, des mots-clés assez spécifiques. Et on retrouve d'ailleurs la requête Acheter un terrain à plusieurs. Voilà pour les recherches associées. Technique également très efficace. On passe à la troisième technique pour trouver des mots-clés peu compétitifs. Keyword Surfer. Keyword Surfer, c'est une extension Chrome absolument géniale. Et parmi ses nombreuses fonctionnalités, Keyword Surfer vous donne des idées de mots-clés similaires à la requête que vous tapez dans Google. Et ces idées de mots-clés apparaissent sur la droite de votre écran. Voilà ce que ça donne en tapant la requête acheter un terrain à plusieurs. Et encore une fois, on trouve plein de mots-clés qui peuvent être intéressants, comme par exemple acheter à deux avec un apport différent, euh, acheter seul mais en couple, ou encore acheter une maison seule et se marier après. Alors vous l'avez compris, le domain authority est un indicateur qu'il faut absolument regarder quand vous évaluez la compétition pour un mot-clé. Mais ce n'est pas le seul. Il faut également regarder la qualité des articles qui sont positionnés. Il y a différents indicateurs pour évaluer la qualité d'un article, mais un indicateur important, c'est la longueur de l'article. Ce n'est pas une science exacte, mais de manière générale, un article long sera un article qualitatif, tandis qu'un article court sera un article de faible qualité. Pour connaître rapidement la longueur d'un article, vous pouvez utiliser l'extension Chrome Ahref SEO Toolbar. Cette extension vous donnera entre autres le nombre de mots que contient un article. Reprenons l'exemple du site avec un domaine Authority de 7. Positionner sur la requête « Acheter un terrain à plusieurs ». Si on clique sur le résultat et qu'on active l'extension « Ahref SEO Toolbar », l'extension nous dit que l'article contient 679 mots. Autant vous dire que ce n'est pas un article très poussé et très qualitatif. Si vous faites un article de 1000 à 1500 mots, qualitatif, eh bien vous avez de bonnes chances de vous positionner tout en haut des résultats de recherche sur cette requête. Même avec un blog relativement récent. Alors, on peut également connaître le nombre de mots des articles concurrents grâce à l'extension Keyword Surfer. Et le plus beau, c'est que cette extension vous donne le nombre de mots des articles positionnés directement dans les résultats de recherche sur Google. C'est donc un gain de temps considérable. Voilà à quoi ça ressemble. Sur la requête Acheter un terrain à plusieurs, on voit donc très rapidement qu'aucun des articles dans les premières positions ne fait plus de 1000 mots. Et si on combine ça avec l'extension MOZ qui nous donne le domaine authority des sites, ça donne ça. Et on voit donc super rapidement à la fois le domaine authority des sites et le nombre de mots des articles. Et on peut donc évaluer la compétition pour un mot clé en quelques secondes. Elle est pas belle la vie, hein C'est quand même plutôt sympa. Alors après avoir analysé la compétition pour un mot clé, l'étape suivante est de vérifier le volume de recherche du mot clé. Et l'idée, c'est de cibler des mots clés recherchés par les internautes. Pour vérifier que le mot-clé que vous convoitez est beaucoup recherché par les internautes, c'est très simple. Vous pouvez utiliser différents outils pour connaître le volume de recherche d'un mot-clé, c'est-à-dire le nombre de personnes qui recherchent ce mot-clé chaque mois. Premier outil, Keyword Surfer. L'extension Keyword Surfer vous donnera le volume de recherche du mot-clé directement dans la barre de recherche Google comme ceci. Alors Keyword Surfer est un super outil, mais il faut savoir que ce n'est l'outil le plus fiable du monde. Hein, les chiffres qu'il donne sont de bonnes indications mais ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Après avoir testé un nombre incalculable d'outils, celui que je trouve le plus fiable pour les mots-clés francophones, c'est un outil qui s'appelle Yoda Insight. Pour connaître le volume de recherche d'un mot-clé dans Yoda Insight, il suffit de cliquer sur Market Explorer. Vous tapez ensuite votre mot-clé et Yoda vous donnera le nombre de personnes qui recherchent ce mot-clé chaque mois en France. Voilà ce que ça donne. Avec le mot-clé acheter un terrain à plusieurs. Et par exemple, on voit que la requête acheter un terrain à plusieurs est recherchée 70 fois par mois en France. Mais il faut également prendre en compte achat terrain à plusieurs avec 70 recherches par mois, euh, acheter un terrain à plusieurs sans accent sur le A, 30 recherches par mois, ou encore acheter un terrain à plusieurs sans le S à plusieurs avec 10 recherches par mois. Si on additionne tous ces volumes de recherche, ça fait quand même pas mal de monde qui recherche sur Google comment acheter un terrain à plusieurs. Sans compter les innombrables autres mots-clés de longue traîne, auxquels on ne pense pas forcément, mais qui ramèneront quand même des visiteurs. En sachant que la compétition pour ce mot-clé est très faible, et ben cela en fait un mot-clé très intéressant pour un petit site. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour connaître le volume de recherche d'un mot-clé, c'est UberSuggest. Suggest. Là encore, vous tapez votre mot-clé dans l'outil, et l'outil vous donnera le volume de recherche pour ce mot-clé, tout simplement. Ces trois outils, Yoda Insight, Uber Suggest et Keyword Surfer, vous permettront d'évaluer si le mot-clé que vous convoitez est beaucoup recherché ou pas par les internautes. Et maintenant, quelle est l'étape suivante Eh bien, l'étape suivante, c'est tout simplement de trouver les mots-clés les plus intéressants. En gros, de trouver les mots-clés avec le meilleur ratio compétition par rapport au volume de recherche. Hein, pour maximiser vos chances d'avoir du trafic sur votre blog, vous devez écrire des articles de blog qui ciblent les mots-clés les plus intéressants. Voici le ratio compétition/volume de recherche que je vous conseille d'utiliser. Si vous pensez pouvoir vous positionner en première position, vous pouvez vous permettre de viser des mots-clés avec 50 recherches par mois. Si vous pensez pouvoir vous positionner dans le top 3, visez des mots-clés avec au moins 100 recherches par mois. Si vous pensez pouvoir vous positionner dans le top 5, vous devez viser des mots-clés avec au minimum 200 recherches. Par mois. Et si vous pensez pouvoir vous positionner en première page, il faut viser des mots-clés avec au moins 500 recherches par mois. Et si vous ne pensez pas pouvoir vous positionner en première page, eh bien vous oubliez ce mot-clé tout simplement. On l'a dit, presque personne ne va sur la deuxième page de Google, donc ça ne sert à rien. Pour bien que vous compreniez l'idée, reprenons l'exemple de la requête acheter un terrain à plusieurs. Si on ajoute le volume de recherche de cette requête à ceux des requêtes très similaires trouvées par Yoda, comme achat terrain à plusieurs, acheter un terrain à plusieurs sans accent sur le A et Acheter un terrain à plusieurs, sans S à plusieurs, et eh bien cela donne 180 recherches par mois. Or, on l'a dit, le site en première position sur cette requête a un domaine authority de 7 et l'article n'est vraiment pas terrible. Avec un bon article de 1500 mots, même un blog tout récent peut battre ce concurrent et se positionner en première position sur Google. 180 recherches par mois plus possibilité de se positionner en première position, égal. Le ratio est bon. Et donc, le mot-clé acheter un terrain à plusieurs est un mot-clé très intéressant pour un petit blog. Et croyez-moi, des mots-clés intéressants, il y en a plus que ce que vous ne pensez, et ce dans toutes les thématiques. Restons dans la thématique de l'immobilier. Tapons Investir dans l'immobilier dans Yoda Insight, et regardons ce que nous dit Yoda sur ce mot-clé. Vous le voyez, 5400 recherches par mois pour investir dans l'immobilier, 880 recherches par mois pour investir en immobilier, 1600 recherches par mois pour comment investir dans l'immobilier, etc., etc. Bref, le volume de recherche est énorme. Regardons maintenant la compétition pour ce mot-clé. Si on tape investir dans l'immobilier sur Google, on voit ça en première page. On a donc un site avec un domaine authority de 15 et surtout un site avec un domaine authority de 12 positionné en première page sur Google pour la requête investir dans l'immobilier. Et si on regarde les articles, on se rend compte qu'ils ne sont vraiment pas terribles. Et donc là encore, avec un super article de blog, un site avec un domaine autoritif faible a toutes ses chances de battre ces sites et de se positionner en première page pour la requête Investir dans l'immobilier. Donc je vous le répète, il y a des failles dans toutes les thématiques, même celles qui semblent très concurrentielles. Contrairement à ce que disent la majorité des webmarketeurs, le Google francophone n'est pas si compétitif que cela. Lancez-vous sur le Google anglophone et là, je peux vous dire que vous allez comprendre votre douleur. Alors, une fois que vous avez trouvé un mot-clé avec un bon volume de recherche et une compétition assez faible, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est d'écrire un article de blog qualitatif. En gros, écrire un meilleur article de blog que ceux des concurrents. Alors, c'est quoi un meilleur article de blog Eh bien, tout simplement, c'est un article plus complet. Qui va plus en profondeur, qui est mieux écrit, mieux illustré, plus clair, mieux expliqué, etc. etc. La longueur est un bon indicateur pour juger de la qualité d'un article. Ce n'est clairement pas le seul, mais c'est un indicateur important. De manière générale, vos articles de blog devraient être plus longs que ceux de vos concurrents. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez écrire que des articles de 4000 mots. En fait, ça dépend des mots-clés. Certains mots-clés méritent de très longs articles. Tandis que pour d'autres mots-clés, ce ne sera juste pas adapté. Pour évaluer le nombre approximatif de mots que devrait contenir votre article, vous pouvez vous baser sur les articles des concurrents. Regardez combien de mots ont les articles dans les premières positions et faites un petit peu plus. Si on reprend l'exemple de la requête acheter un terrain à plusieurs, l'extension ahref SEO toolbar me dit que les deux premiers articles ont 710 mots et 746 mots. Il suffit donc d'un bel article de par exemple 1500 mots pour faire mieux que ces articles et vous n'avez a priori pas besoin euh, d'écrire 5000 mots. Alors une fois que vous avez écrit votre article de blog qualitatif, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est d'optimiser le SEO on page. Alors à cette étape on rentre dans la partie un petit peu technique du SEO, mais rassurez-vous, ce n'est rien de très compliqué. Qu'est-ce que le SEO on page Le SEO on page, ça consiste à optimiser votre article pour que Google comprenne bien de quoi il parle. Pour beaucoup de consultants et autres experts SEO, ça consiste à mettre le mot-clé le plus souvent possible dans l'article pour être sûr que Google ne le rate pas. Malheureusement, ces gens sont restés bloqués dans les années 2010. Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Google est assez intelligent pour comprendre de quoi parle votre article, même si vous ne bourrez pas le mot-clé. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le SEO on-page parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais plutôt vous donner quelques conseils qui sont faciles à appliquer et qui peuvent faire une différence. Alors, conseil numéro 1, structurez votre article avec des sous-titres, ce qu'on appelle des H2, et des sous-sous-titres ce qu'on appelle des H3. Optimiser son SEO on-page, c'est d'abord structurer son article avec des titres et des sous-titres. Non seulement ça aide l'utilisateur à se repérer dans l'article, mais ça aide également Google à comprendre de quoi parle votre article. D'un point de vue SEO, un sous-titre correspond à un H2 et un sous-sous-titre correspond à un H3. Structurer un article est très facile à faire dans WordPress. Si vous utilisez l'éditeur Gutenberg, il suffit d'ajouter un bloc titre, comme indiqué sur cette image. Et vous pourrez ensuite choisir d'ajouter soit un H2, soit un H3, etc. C'est etc. vraiment très simple. Conseil numéro 2, placez le mot-clé à certains endroits stratégiques. Alors je sais ce que vous vous dites, mais tu viens de dire que ce n'était pas important de placer le mot-clé souvent dans l'article. Et je le confirme. Je peux d'ailleurs vous le prouver avec cet article sur les éléments constitutifs de l'infraction que j'ai écrit sur mon blog pour les étudiants en droit. C'est un article de 2600 mots qui est actuellement premier sur Google sur la requête éléments constitutifs. De l'infraction. Pourtant, je n'ai pas bourré le mot clé dans l'article. Loin de là. Dans cet article, le mot clé n'apparaît que six fois sur 2600 mots. Ce n'est vraiment pas énorme. Et pourtant, cet article est premier sur le mot clé convoité. Donc, je peux vous le confirmer. Mais vous n'avez pas besoin de mettre votre mot clé toutes les trois lignes pour être bien référencé. Loin de là. Maintenant, d'après mon expérience personnelle, il est quand même utile de placer le mot clé à certains endroits. Plus précisément, je vous conseille de placer le mot clé dans le titre principal de votre article, le titre qui apparaît dans les résultats de recherche sur Google parce que bah, ça montre à l'utilisateur que l'article répond exactement à la requête qu'il a tapée dans Google. Je vous conseille également de placer le mot-clé une fois au début de l'article. Et je vous conseille enfin de placer le mot-clé dans certains sous-titres. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon article sur les éléments constitutifs de l'infraction. Le mot-clé éléments constitutifs de l'infraction est évidemment présent dans le titre. Il apparaît également au début de l'article et il apparaît dans deux sous-titres sur 16, tout simplement. Alors, conseil numéro 3 pour optimiser votre SEO on-page, utilisez des URL courtes. D'après une étude de AHREF, il existe une corrélation entre la longueur d'une URL et le classement dans les résultats de recherche. Alors, pour ceux qui ne bitent pas un mot d'anglais, je vais vous expliquer ce que ce graphique veut dire. En gros, plus une URL est courte, mieux l'article se positionne dans Google. Pour raccourcir vos URL, je vous conseille d'enlever les petits mots inutiles. Et qui n'aide pas Google à comprendre de quoi parle votre article. Donc les LE, DE, LA, etc. etc. Par exemple, voici l'URL de mon article sur les éléments constitutifs de l'infraction. Vous le voyez, tous les petits mots inutiles ont été supprimés, et il ne reste que les trois mots-clés principaux qui sont éléments, constitutifs et infraction. Alors à ce stade, vous avez trouvé des mots-clés intéressants. Vous avez écrit des articles de blog qualitatifs sur ces mots-clés, et vous avez optimisé ces articles pour le SEO. C'est bien, vous avez bien travaillé le contenu de votre site. Mais on l'a dit, avoir un contenu qualitatif et optimisé n'est pas suffisant pour avoir du trafic sur son blog. Il faut également que d'autres sites parlent de votre blog afin que Google vous considère comme une autorité dans votre domaine. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, l'étape suivante pour avoir du trafic sur son blog, c'est obtenir des backlinks. Parmi les signaux qui montrent à Google que vous êtes une autorité, les backlinks ont une importance primordiale. Les backlinks, ce sont les liens d'autres sites qui pointent vers votre site et Google les adore. Les backlinks ce sont en quelque sorte des votes d'autres acteurs de votre thématique pour dire que votre contenu est de qualité. Plus votre site reçoit de backlinks de qualité, plus Google vous accordera de la crédibilité et vous le rendra dans les classements. Beaucoup de personnes pensent qu'il est difficile d'obtenir des backlinks ou encore qu'il faut obligatoirement payer pour en avoir. C'est complètement faux. Il existe d'innombrables méthodes pour obtenir des backlinks gratuitement. Et dans cette vidéo, je vais vous partager deux méthodes que j'ai utilisées pour récupérer des centaines de backlinks sans dépenser un euro. Première méthode, écrire des articles invités. Un article invité, en gros, c'est un article que vous écrivez pour un autre site et qui contient un lien vers votre site. Donc concrètement, vous faites le travail d'écrire un article. L'autre site récupère, bah, sans travailler, un article qui lui ramènera du trafic. Et vous, vous récupérez un backlink. C'est un deal gagnant-gagnant. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de sites accepteront de vous laisser écrire un article invité pour eux. Mais vous devez comprendre une chose l'idée n'est pas d'écrire un article invité sur n'importe quel site. Pour ne pas perdre votre temps, il y a principalement deux critères que vous devez prendre en compte. Vous devez d'abord écrire des articles invités sur des gros sites, puisqu'un backlink venant d'un gros site aura plus de poids et sera davantage pris en compte par Google pour votre référencement. Et vous devez créer des articles invités sur des sites en rapport avec votre thématique. Si par exemple vous avez un blog Voyage et que vous écrivez un article invité sur un site de musculation, ce eh ne sera pas considéré comme un backlink euh, pertinent aux yeux de Google. Pour vérifier que les sites sur lesquels vous voulez créer des articles invités sont des gros sites, rien de plus simple, vous utilisez l'extension Chrome Mozbar. Et vous regardez le domain authority des sites en question. Privilégiez si possible les sites avec un domaine authority supérieur à 50, parce que ça c'est vraiment le genre de backlinks qui peuvent euh, propulser votre blog. Alors ceci étant dit, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce que je trouve des sites qui accepteront de me laisser écrire un article invité J'y viens. Pour trouver facilement des sites qui acceptent les articles invités, une méthode redoutable consiste à analyser les backlinks des concurrents. Parmi ces backlinks, vous pouvez trouver des articles invités et donc des sites qui accepteront qu'à votre tour vous écriviez un article invité pour eux. Pour ça, vous pouvez utiliser l'outil Ahref Backlink Checker. Vous allez sur Ahref Backlink Checker, vous entrez l'url d'un site concurrent et l'outil vous donnera les backlinks du site concurrent. Voilà un exemple avec un site concurrent de mon blog pour les étudiants en droit. En l'occurrence, on voit que mon concurrent a des backlinks venant d'un site qui s'appelle laruche.wisby.com et d'un autre site qui s'appelle réussirmavie.net. Eh bien, ces backlinks, ce sont des articles invités. Et devinez quoi Eh bien j'ai moi aussi écrit des articles invités pour ces sites. Bah oui, bah bien sûr, après avoir vu que ces sites avaient accepté un article invité d'un de mes concurrents, je me suis empressé de les contacter et ils ont naturellement accepté ma proposition. J'ai donc récupéré deux jolis backlinks venant de deux sites avec un domaine authority supérieur à 50, et ça bah ça fait quand même du bien. Alors une autre méthode pour trouver des sites qui acceptent les articles invités, c'est d'utiliser une petite commande directement dans Google. Donc vous tapez euh, ouvrez les guillemets. Article invité au singulier, fermez les guillemets. Or, donc ou en anglais, hein, or, ouvrez les guillemets. Article invité au pluriel, fermez les guillemets. Plus le mot clé de votre thématique. Et en gros, cette commande demande à Google de trouver toutes les pages qui contiennent l'expression article invité au singulier ou l'expression article invité au pluriel, ainsi que le mot clé de votre thématique. Si on reprend l'exemple de la thématique de l'immobilier, ça donne ça. Et vous le voyez, Google trouve des sites dans la thématique de l'immobilier qui accepte les articles invités. Si vous êtes dans cette thématique, il ne vous reste plus qu'à contacter ces sites et le tour est joué. Voilà pour les articles invités. Passons à la deuxième méthode redoutable pour récupérer des backlinks, le link baiting. Le link baiting, c'est ma méthode préférée pour récupérer des backlinks. C'est grâce à cette méthode que j'ai obtenu des backlinks venant d'énormes sites comme par exemple bfmtv.com. Autant vous dire qu'un backlink pareil, ça vaut de l'or. Alors le link baiting, c'est quoi ça consiste à créer des articles qui vont naturellement attirer des liens venant d'autres sites. C'est bien sûr la meilleure pratique pour récupérer des backlinks. D'une part parce que ça permet de récupérer des backlinks sans rien faire, hein, ce qui est quand même plutôt cool. D'autre part parce que c'est ce que veut Google. Plus un site reçoit des backlinks de manière naturelle, meilleur sera son référencement. A l'inverse, plus un site reçoit des backlinks de manière artificielle, plus il prend le risque de voir son référencement pénalisé. Par Google. Obtenir des backlinks de manière artificielle, c'est par exemple rajouter un lien vers son site sur toutes sortes de sites, comme par exemple des annuaires, des forums, etc. Alors que cela n'est pas pertinent et n'a pas de sens. Le link baiting, c'est vraiment tout le contraire, puisque d'autres sites vont naturellement citer votre site comme étant une ressource utile. Mais comment faire en sorte que d'autres sites fassent naturellement des liens vers votre site Tout simplement, il faut trouver une idée d'article qui a le potentiel d'attirer des backlinks. Demandez-vous quel type d'article a le potentiel d'attirer des liens dans votre thématique Quel type de ressources les acteurs de votre thématique ont-ils l'habitude de citer Voici un exemple. Comme je vous l'ai dit, je tiens un blog pour les étudiants en droit. C'est mon blog principal. Dans la thématique du droit, les personnes citent généralement des articles de loi. Si vous citez par exemple un article du Code civil, eh bien vous allez faire un lien vers cet article. C'est pour cette raison que j'ai écrit des articles qui ont justement pour but d'expliquer certains articles du Code civil et de se positionner sur ces requêtes. J'ai par exemple écrit un article qui traite de l'article 9 du Code civil et qui est actuellement dans les premières positions sur Google. Et c'est précisément cet article qui a récupéré un backlink venant de bfmtv.com. Tout simplement, le rédacteur de bfmtv a mentionné l'article 9 du Code civil dans son article. Il a voulu faire un lien vers cet article et il a tapé article 9 du Code civil sur Google. Il est tombé sur mon site et il a fait un lien vers mon article. Efficace et gratuit. Mais vous pouvez également utiliser une autre méthode pour trouver des idées d'articles qui vont naturellement attirer des liens. Ça consiste à regarder quels sont les articles de vos concurrents qui ont le plus de backlinks et à faire des articles sur les sujets les plus porteurs. Pour ça, vous pouvez utiliser Ubersuggest. Vous tapez l'URL d'un site concurrent dans Ubersuggest. Puis vous cliquez sur Top Pages. Et Uber Suggest vous listera alors les articles qui rapportent le plus de trafic au site en question et le nombre de backlinks pour chacun de ces articles. Voilà un exemple avec le site Traffic mania qui est un des poids lourds dans la thématique du blogging. Dans la colonne de gauche, vous avez les différents articles. Puis vous avez une colonne sur la droite avec une estimation du trafic pour chaque article. Et enfin, encore sur la droite, vous avez une autre colonne avec le nombre de backlinks pour chaque article. On voit par exemple que l'article sur Comment faire connaître son blog a obtenu 16 backlinks. Et ça en fait potentiellement un sujet porteur pour récupérer des backlinks. Alors récapitulons. À ce stade, vous avez écrit des articles de blog qualitatifs sur des mots-clés peu compétitifs et recherchés par les internautes. Et vous avez également récupéré des backlinks pour démontrer à Google que vous êtes une autorité dans votre domaine. C'est super, mais il y a un dernier pilier pour que votre blog soit bien référencé sur Google. Un pilier très important, et ce pilier, c'est l'expérience utilisateur. Avoir une bonne expérience utilisateur sur votre blog. Concrètement, pour référencer votre blog, eh bien Google va regarder comment les utilisateurs interagissent sur votre blog, tout simplement. Il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte par Google pour évaluer l'expérience utilisateur. Un des critères les plus importants, c'est la durée des sessions. En gros, plus les utilisateurs restent longtemps sur votre article et sur votre site de manière générale, plus il consulte de pages et plus votre site sera bien référencé sur Google. Pour ça, il n'y a pas de secret, vous devez écrire des articles intéressants. Des articles qui gardent l'attention des gens jusqu'au bout. Un bon article qui est lu jusqu'au bout et qui est apprécié par les utilisateurs respecte généralement trois critères. D'abord, il est unique. Il contient des exemples personnels ou des conseils qu'on n'a pas vus ailleurs. Il est également tranché. Hein. L'auteur donne son avis, donne son opinion, quitte à ce qu'une partie de son lectorat ne soit pas d'accord. Et enfin, éventuellement, il amène de l'émotion, il crée une connexion avec le lecteur. Par exemple, le premier article que j'ai publié sur Blogueur Libre respecte ces trois critères. C'est un article qui retrace les étapes que j'ai suivies pour passer d'avocat salarié à entrepreneur sur Internet. Il est unique, truffé d'exemples personnels, puisque je raconte mon histoire. Il contient des conseils uniques qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Je recommande par exemple de développer son blog en parallèle de son job. Et de démissionner une fois les 2000 euros par mois de bénéfices atteints avec son blog. Alors que la plupart des acteurs de la thématique recommandent de brûler les bateaux. L'article est également tranché. Je n'ai pas peur de donner mon opinion. Je dis par exemple que les business en ligne sont plus intéressants que les startups. Je dis aussi que monter un blog en parallèle de son job est une bien meilleure idée que de monter une chaîne YouTube. Et enfin, certains passages de l'article amènent de l'émotion et ont pour but de déclencher des émotions chez le lecteur. Voici par exemple le message que j'ai reçu d'un lecteur. La personne me dit qu'elle a tout simplement frissonné en lisant l'article. C'est ce genre de choses qui permettent de toucher et de fidéliser les gens. Alors quand vous écrivez votre article, posez-vous la question, est-ce que mon article va faire frissonner mes lecteurs Au final, ce premier article a bien performé, avec un temps moyen passé sur la page supérieur à 5 minutes. Mais surtout, un temps moyen passé sur la page de plus de 12 minutes pour les abonnés à ma newsletter pour lesquels j'utilise un tracking différent. En gros, l'article a très souvent été lu en entier jusqu'au bout. Et c'est ce genre de statistiques que vous devez viser si vous voulez avoir du trafic sur votre blog grâce à Google. Et enfin, dernière étape, mesdames et messieurs, pour avoir du trafic sur votre blog, c'est d'être patient. Et oui, être patient. Pour ceux qui veulent gagner leur vie avec leur blog en deux semaines, désolé de vous mettre la vérité en face, les gars, mais référencer son blog, c'est un marathon. Il faut bien comprendre que lorsque vous publiez un article sur votre site, Google ne va pas prendre votre article et le mettre en première position comme ça, en un claquement de doigts. Non, ça ne marche pas comme ça. Avant que vous ne soyez bien positionné, Google va entre autres tester votre article et votre site de manière générale. Il va regarder si les gens cliquent sur vos liens, s'ils restent longtemps sur votre site, etc. etc. Et ce n'est qu'en fonction de vos statistiques que Google améliorera votre référencement. Vous devez donc être patient. Il faut compter au minimum plusieurs mois pour qu'un article commence à être bien référencé, en tout cas sur un site qui est nouveau. Regardez par exemple cet article sur la méthodologie du cas pratique que j'ai écrit sur mon blog pour les étudiants. La courbe orange correspond à l'évolution de la position de l'article dans les résultats de recherche. Vous le voyez, juste après la publication de l'article, ce dernier végétait entre la 80e et la 40e position, et ce pendant plusieurs mois. Il a fallu pratiquement un an pourquoi cet article atteigne la première page de Google et commence à me rapporter des visiteurs. Et aujourd'hui, plus d'un an après sa publication, cet article continue de gagner des places lentement mais sûrement et je vais maintenant récolter les fruits pendant des années. En fait, chaque article que vous publiez c'est un petit peu comme une graine que vous plantez. Cette graine germera peut-être au bout de trois mois, au bout de six mois ou au bout d'un an. Mais si vous faites les choses correctement, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, et eh bien cette graine, elle finira par germer. Et vous en récolterez alors les fruits sur le long terme. Voilà, j'espère que cette formation gratuite vous aidera à avoir du trafic sur votre blog. Alors, quelle technique est-ce que vous allez utiliser pour référencer votre blog Est-ce que vous allez écrire des articles invités pour récupérer des backlinks Ou bien est-ce que vous allez cibler des mots-clés peu compétitifs pour vous positionner facilement dans les premières positions Dites-le moi ci-dessous dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos qui vous apprendront à créer un blog, à attirer des visiteurs dessus et à en vivre. Et enfin, si cette formation gratuite vous a plu, sachez qu'il y a mieux, mesdames et messieurs. Oui, 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 il y a beaucoup mieux. Hein, vous n'avez encore rien vu. J'ai créé une formation beaucoup plus complète, beaucoup plus poussée et beaucoup plus travaillée. C'est une formation de 4 heures dans laquelle j'explique étape par étape comment j'arrive à attirer 2500 visiteurs par jour sur mon blog pour les étudiants. Et cette formation est également... Gratuite, oui, absolument, c'est complètement gratuit. Et c'est une formation qui contient encore plein d'autres infos et plein d'autres astuces pour attirer du trafic sur son blog. Les retours que j'ai sur cette formation gratuite, honnêtement, sont juste dingues. Plusieurs personnes m'ont déjà dit que je pourrais vendre cette formation plusieurs centaines d'euros si je faisais comme tout le monde. Je vous mettrai à l'écran quelques retours de personnes qui ont visionné la formation et vous pourrez mettre sur pause pour lire si vous voulez. Du coup, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien de cette formation gratuite dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et pour les plus motivés, je vous donne rendez-vous dans la formation gratuite.